Oh ma pauvre, de toute façon t'y arriveras jamais. Bah non, j'y arriverai jamais, non, c'est clair, hein, avec des connards comme toi, j'y arriverai pas. Là où on m'a découragée, c'est dans le milieu agricole surtout. On m'a dit direct, j'y arriverai jamais. Et qu'en plus j'étais mignonne, donc j'avais rien à foutre dans les champs. Là. Ce qui me fait le plus peur, c'est de pas y arriver, parce que si j'y arrive pas, franchement, je sais pas ce que je ferai de ma vie. Je voulais un boulot facile, ouais. Qui rapporte. Et ouais. En fait, c'est pas du tout le chemin que t'as pris. Quoi. Ah bah non, pas vraiment. Je suis pas du tout sûre que ça marchera, mais je suis sûre que j'irai au bout. Je sais bien que vis-à-vis des vieux agriculteurs, je suis pas crédible, mais maintenant, je leur sers la main. C'est vrai, maintenant que j'ai de la poigne. Vous pensez que là, votre tisane, elle me fait du bien, quoi. C'est mon point faible, la commercialisation. Je pense que ça peut être votre point fort, moi. Ah ouais? Ouais, et moi, je suis même persuadée qu'un jour, il va falloir que vous parliez aux gens. Même si on fait ce qu'on aime, à un moment donné, je considère que la vie est faite pour être partagée. Faut qu'on fournisse d'autres papiers, mon cœur. Documents prouvant votre communauté de vie, quoi. Putain, on vit dans deux pays différents. C'est tellement le jour et la nuit, la vie ici et la vie en Casamance, que je sais pas s'il va se plaire ici ou pas, quoi. Il nous propose une date au mois de juin. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, tu vas être sans papier, quoi. Je commence à avoir peur, en fait, parce que ça fait plus qu'un mois maintenant et on n'a toujours pas d'infos, quoi. On demande pas la mer à boire, on veut juste vivre ensemble, c'est tout. Et on voit, c'est pas facile du tout, mais si on m'adapte aussi, quoi. Il est comme moi, on pense pas trop de la même manière que les autres gens en général. D'être à deux là, c'est pas pareil, hein. Ça change tout, quoi. Toutes les émotions aussi, quand ça va lâcher, ça va faire drôle. En tant qu'elle est dé, tu as des tisanes en boîte, franchement.